Je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère que tout le monde va très bien. Je vous retrouve pour un petit make-up, alors ce n'est pas un tuto make-up, mais plutôt une petite impression et première impression du test du fond de teint Yuma ou Yuma ou Uoma, comme vous voulez. Donc un fond de teint qui a fait le buzz il y a déjà quelques mois, qui est encore bien sûr très, comment dirais-je, apprécié, très reviewé, si ça se dit comme ça, très, comment dirais-je, commenté par la blogosphère, la youtubosphère, etc. Moi j'avais envie de le tester parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas racheté de nouveaux fonds de teint, ça vous le savez, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, et j'avais envie simplement de me faire une idée sur le rendu. En sachant qu'en plus c'est une marque qui a été créée de mémoire par une Africaine. Je ne sais pas exactement de quel pays d'Afrique elle vient, mais en tout cas elle est du continent africain. Et je trouve ça très intéressant parce qu'elle a vraiment très bien pensé, comment dirais-je, la gamme de ses produits par rapport à toutes les carnations de peau qu'elle a pu rencontrer dans sa carrière de maquilleuse. Et voilà, j'avais tout simplement envie de tester parce que j'ai bien aimé l'idéologie derrière de la marque. Alors ça ne le fait pas pour tout, hein. Pat McGrath par exemple, c'est un peu cher, mais là pour le coup, vu que je traîne depuis un certain nombre d'années maintenant, plus de 7 ans avec les mêmes fonds de teint que je termine, que je rachète, que je termine, que je rachète, j'avais envie de vous donner un petit peu mon ressenti là-dessus. Alors pour ne rien vous cacher, j'ai testé une seule fois ce fond de teint quand je l'ai reçu, mais par-dessus j'avais mis mon mélange de fond de teint habituel parce que lorsque je l'ai appliqué la première fois, je me suis dit, je veux vraiment avoir un avis first impression avec, avec mes highlights, donc avec vous, et du coup je l'ai recouvert d'une petite couche de mon mélange habituel. Ça a très bien donné, il n'y a pas eu de différence particulière, sauf que là vraiment je le porte seul, je n'ai pas fait de mélange d'autres fonds de teint, bien sûr j'ai appliqué mes poudres etc. habituelles, mais et je porte, et vous allez le voir dans la démo, je porte vraiment une pompe et demie, mais vraiment à peine, je dirais même une pompe puisque je vous ai montré que je l'ai pressé vraiment devant vous la première fois. Ce que je peux dire, c'est que le rendu est assez bluffant. Je suis encore un petit peu bronzée, hein. Je vous le rappelle, je suis revenue de mes vacances il y a déjà 15 jours de cela. Je reste, ma peau a encore, est encore assez pigmentée et assez riche en mélanine et assez voilà, marquée par le bronzage encore. Néanmoins, je trouve qu'il se fit très bien à ma carnation de peau. Vous allez le voir, je vous le montre dans la démo, la teinte que j'ai prise, et je pense qu'elle me correspondra parfaitement pour cet hiver, même si elle sera un chouïa trop orangée à mon goût, mais je pense que j'arriverai à la faire matcher quoi qu'il arrive. Là déjà, je ne sais pas ce que vous en pensez au niveau du rendu, je trouve qu'il est assez perfect matching, quoi. Ça match parfaitement. Au niveau des fards à paupières que j'ai appliqués, puisque je vous montre pas vraiment tout le make-up, les fards à paupières, ce sont des nouveaux fards. Alors, vous l'avez vu peut-être déjà sur Instagram, mais j'ai craqué pour une marque qui me faisait envie déjà depuis 7 ans. Et il y a eu une promo, mais de malade, sur Beauty Bay, et je pouvais pas. Je pouvais pas laisser passer ce truc-là. C'est vraiment une marque qui me... Voilà, qui me tente depuis facilement 7 ans, hein. depuis 7 ans facile, et vraiment leur fard à paupières, la façon dont les fards sont agencés, etc., ça me donne grave envie, du coup je me suis fait ce plaisir là. Il y a deux autres ou un autre colis qui arrive et je vous en reparlerai.
Et voilà, je suis trop contente d'avoir réussi à avoir ces produits-là. Voilà, je suis vraiment trop ravie. Et en sachant que j'ai fait une deuxième commande sur cette marque, mais sur leur site officiel. Donc ça, vous le verrez dans ma vidéo, ma dernière vidéo haul de l'année. Parce qu'il n'y aura pas de commande Black Friday, il n'y aura pas d'autres commandes. Je pars dans un no-buy assez long. Et je vous expliquerai un petit peu comment vont s'agencer le reste de mes vidéos et de ma chaîne, mais je pense que ça vous plaira. Pour celles que ça ne plaît pas, tant pis, vous partirez, et puis c'est la vie, mais j'évolue comme ça. Au niveau des lèvres, je porte toujours mes 5 rouges à lèvres classiques que je suis en train de terminer. Ça fait une longue intro, hein, je sais. Entre autres, le LS Splash, le Untamed, qui n'existe à mon avis plus de la marque LS Splash, comme ça, qui est, comme vous le voyez, en surbrillance, vraiment raclé, quasi terminé. Le Chocolate Wasted, il m'en reste vraiment un fond, pareil, je pense qu'il est fini en vrai. Le Flormar, dont je ne connais plus le nom, et c'est celui-là que j'ai appliqué majoritairement sur mes lèvres avec le Untamed en contour. Le Kiko dans les Unlimited Stylos que j'ai eu, qui m'a été offert du moins par la cousine d'Olivier il y a 2 ans et que j'ai terminé, quasi. Là, c'est vraiment ce que vous voyez, c'est ce qui reste du rouge à lèvres. Et enfin, en dernier, un rouge à lèvres qui m'a été offert par Nanou. Nanou, pour celles qui ne savent pas, c'est ma collègue. Voilà, il m'en reste encore beaucoup. Donc ça, c'est un rouge à lèvres que je glisse assez facilement dans mon sac. Donc voilà, c'est les 5 rouges à lèvres que j'utilise non-stop en ce moment. Je n'arrête pas d'utiliser ça et que ça pour me maquiller tous les jours. Parce que c'est mon go-to look de l'automne. Je trouve qu'il est simple, je trouve qu'il n'est pas extravagant, je trouve qu'il passe avec tout. Vous me rajoutez avec ça une paire de fossiles, chose que je n'ai pas faite mais que j'aurais très bien pu faire. Et le tour est joué, ça fait classe, ça fait propre. Voilà, vous m'avez vu d'ailleurs avec un genre de make-up de ce style, c'était pas tout à fait pareil, voire pas du tout pareil, mais je vous ferai, si vous voulez, ce make-up-là que j'ai réalisé hier ou avant-hier. Je vous le ferai sans aucun problème, mais là, pour le coup, c'est mon go-to look de l'automne. Voilà, je vais y arriver. Je vous embrasse toutes. Je vous retrouve ce soir pour le rendu final. Je vais pas le garder très longtemps puisque là il est déjà 14h30 et on est le week-end. Je me suis maquillée relativement tard. Je pars faire mes ongles et je vous retrouve enfin. Me voilà de retour. Il est... Je ne sais même pas quelle heure il est. Faut que je sache. Je sais pas du tout quelle heure il est. De retour mes highlights. Il est... pour moi il est assez tôt. Il est que 18h37. Donc j'ai porté le fond de teint. Si je compte bien, 4 heures, pile poil 4 heures. En 4 heures de temps, je trouve que, bon, mis à part le fait que je brille sur le nez, ça c'est chose classique chez moi, ça m'arrive assez rapidement, 23 heures. On va dire jusqu'à 20h30, je vais encore le garder et je vais vous faire un check-up, je vais vous faire un petit zoom. Alors, petit zoom sur mon teint, donc... ça c'est l'highlight naturel. Là je commence un peu à briller au niveau du nez. J'avoue que j'ai pas fait de baking et j'ai pas trop poudré. J'ai vraiment mis très très peu de poudre. J'ai quasi pas poudré en fait. À part mon dessous d'œil qui est comme d'hab. Vraiment j'aime trop les fards à paupières là, que je me suis appliqués. Là je les adore. Je crois que je vais pas arrêter de me maquiller comme ça de la semaine. Tellement tout se place tout seul quoi. C'est... Ça peut se superposer super bien. Franchement, j'attends le reste de ma commande avec impatience parce que c'est des fards que je voulais à tout prix avoir. Pas tester, mais avoir. Et je suis trop contente d'avoir craqué sur ces fards. Ils sont canons. Canons. Le teint, franchement, ça va. Le teint, ça va pour le moment. Je vais partir à la salle, je pense, vers 19-20 heures. Donc je me laisse encore, allez, une bonne heure et demie. Et je vous reviens à l'heure et demie quand elle est écoulée. Puisque je pense que je vais pas me démaquiller. Quoique, j'aime bien me démaquiller avant d'aller à la salle. Parce que j'aime pas à chaque fois m'essuyer marron. Non, pas ça. Enfin, je supporte pas. Donc je pense que je vais me démaquiller dans une heure et demie. Je vous fais un dernier check-up dans une heure et demie. On va voir ce que ça donne. Je vais pas faire grand-chose en fait. Hein, mais ouais. Mes highlights, il est 19h37, donc une heure de plus que tout à l'heure. Rien n'a spécialement changé au niveau de mon visage, surtout que je suis restée un petit peu allongée. Voilà, j'ai pas bougé plus que ça.
L'impression que j'ai de ce fond de teint, c'est qu'il est pas mal, qu'il tient bien, qu'il hydrate bien la peau. Je pense que je vais vraiment l'apprécier en pleine période hivernale, donc quand il va faire vraiment très froid. Je pense qu'à ce moment-là, ce sera le fond de teint idéal sur ma peau. Pour l'instant, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. Je le trouve bien, je le trouve... plutôt pas mal par rapport à ce que j'ai pu appliquer en matinée. Je trouve qu'il a plutôt bien tenu, hein. Donc ça fait 5 heures de tenue. Je trouve que c'est déjà pas mal. On ne devrait pas garder du fond de teint plus de 10 heures, hein. C'est pas très bon pour la peau. Je vous rappelle que ça reste quand même des produits, même s'ils sont 95% d'origine plus ou moins naturelle, hein. Dans celui-là, il me semble qu'il y a des ingrédients spécifiques. Donc... c'est sans talc, c'est vegan, cruelty free, très bien. Sans parabènes aussi, testé dermatologiquement et bien sûr encore heureux. Mais il me semblait avoir vu quelque chose de particulier là-dessus, que c'était enrichi avec... oh, je sais plus. Alors, je vais vous le lire. Pam, pam, pam. Aux extraits de cirse laineux, je sais pas ce que c'est, spécialement conçu pour les peaux brunes, riche en mélanine, enrichi en pigments biomimétiques, pardon, conçu pour penser comme votre peau, la peau pense, waouh, et en pigments de couleur intelligente qui embellissent instantanément votre teint. Bon, écoutez, je croyais avoir vu quelque chose d'assez spécifique au niveau de la composition. Si voilà, ça me revient au montage, je vous les mettrai à l'écran. Voilà, donc le Uoma, pour l'instant, je donnerai pas de note. Je dirais que j'ai une impression plutôt bonne à les 60%. Les 40% restants, je ne sais pas. Je ne sais pas, on verra par la suite. Je pense que le premier test est pas mal. Je vais continuer à utiliser mon mélange de fond de teint et laisser celui-là au chaud. Et prochainement, il fera partie bien sûr du haul que je vous réserve là-dessus. Globalement, je le trouve bien ce fond de teint, mais je pense que je vais vraiment l'apprécier en hiver parce que pour l'instant, ce n'est pas un perfect match. C'est un perfect confort, ça c'est clair et net. On se sent bien dedans, ça ne tiraille pas la peau, la peau continue de respirer, on a l'impression voilà, de quasiment ne rien avoir mis. Mais pour l'instant, rien d'exceptionnel pour moi. C'est un petit peu comme le rendu du mélange de fond de teint ou alors d'un fond de teint lambda que j'ai l'habitude d'utiliser, tout simplement. Voilà pour cette revue première impression.